J'ai travaillé 2 années grâce au mécénat, mais c'était en Angleterre, dans un institut de recherche qui était 100% financé par le mécénat. Je voulais savoir un petit peu où on en était dans ces marqueurs. On a toujours eu par tradition l'impression qu'effectivement la culture anglo-saxonne était sans commune mesure plus portée sur le don et le mécénat que la culture française. Est-ce que vous avez un point de comparaison? Et toujours dans cette idée de voir essaimer un petit peu le mécénat et le voir s'amplifier, je voulais le traiter par deux situations particulières, dont l'une qui me concerne plus directement, qui est d'abord la situation que vous avez d'ailleurs citée en introduction, qui est la situation des universités. Puisqu'effectivement, depuis la loi LRU, donc, qui date maintenant d'il y a 10 ans, les universités sont autorisées à diversifier leurs sources de financement, enfin en tout cas elles essaient de le faire, par la création donc de fondations. Et qui, bon, il y a quelques beaux exemples, hein. On cite par exemple Strasbourg, qui est toujours une université un petit peu à part, et toujours un petit peu à l'avant-garde de ce qu'il faudrait faire. Mais on s'aperçoit que ce principe de mécénat au sein de nos établissements, au sein des universités, continue à faire débat, pendant des débats, je dirais, un petit peu d'arrière-garde. Et je voulais un petit peu savoir comment vous voyez la possibilité de surmonter cette défiance. Je cite un exemple, puisqu'il y a une licence à l'université PSL, qui s'est retrouvé l'objet d'un don de BNP Paribas très récemment, et ça a fait beaucoup de bruit au sein de l'établissement, et j'allais dire même en dehors. Donc comment travailler contre ces préjugés? Et puis je voulais citer un deuxième exemple d'acteur qui sont les collectivités. On sait que les disparités, bien sûr, territoriales sont très fortes en termes de mécénat, et les actions mises en place pour structurer la collecte de ces dons et promouvoir des projets à financer sont très dépendantes de bonne volonté, des collectivités et des services déconcentrés dans les territoires. La question que je vous pose, c'est comment, selon vous, pourrait-on mieux organiser nos territoires pour rendre le mécénat local beaucoup plus attractif? Je vous remercie.